Coucou à tous. Alors aujourd'hui nous sommes samedi 24 décembre. C'est la fin des calendriers de l'Avent, de la dernière ouverture avant Noël bien sûr. Et je tenais à remercier donc Nicole pour les calendriers de l'Avent que tu m'as fait sur notre groupe Evans & Scrap sur Facebook. Je remercie Jen et Bébé pour les calendriers d'avant des petites maisonnettes, j'ai adoré. Franchement, c'était une belle ouverture tous les jours. Là, c'est la dernière, malheureusement. Mais bon, il y a toujours une fin à tout. Hein. Et bon, Scrap Didi et Saga Post Scrap que j'ai adoré aussi tous les jours. Franchement, c'était des belles ouvertures et franchement, j'ai été gâtée. Voilà, donc on va ouvrir le dernier 24, donc le calendrier de l'Avent de Nicole. Donc je vous remontre. Et le 24, donc c'est la boule de Noël ici. Là, hop, oui, j'ai enlevé mes ongles. Et je me suis fait mal hier. Alors, qu'est-ce qui s'y cache dans le 24? Alors, elle m'a mis des découpes. Je pense que c'est des découpes Hello. Voilà. Donc, on va essayer d'ouvrir sans abîmer les découpes. Alors, ah, oui. En fait, il y a le Hello comme ça, et vous pouvez mettre un petit par au-dessus, comme ceci. Donc, par exemple, si je veux prendre le jaune comme cela, avec celui-ci, par exemple. Hop, ça fait ça. J'aurais dû prendre une couleur plus foncée. Oups. On va prendre une couleur A. Une couleur plus foncée. Alors. Hop. Par exemple en bleu. Comme ceci. C'est super. Alors il y en a plein. Il y a toutes les couleurs. Il y a du blanc. Il y a du bleu foncé. Il y a du bleu clair, il y a du rose, il y a du jaune. Hop, je vais le mettre là. Il y a du violet. Il y en a plein. Il y a du noir, je ne sais pas si je l'avais dit. Donc j'en ai plein. Je te remercie énormément, Nicole. Hop. Voilà. J'ai oublié. Pour mon dernier jour, c'est parce que c'est le dernier jour, j'ai oublié d'allumer ma petite bougie. Mamie les bougies, bah alors. Oh, ça fait bien là pour le dernier jour. Désolée bébé, mais la petite bougie est allumée et le chocolat. Bon, il y en a plus qu'un. Hein. Parce que j'en ai pas mangé tous les jours. J'en garde pour après les fêtes. Voilà. Alors après, la maison de Jen. Donc j'ai dû... Je n'ai pas regardé ce qu'il y avait à l'intérieur, mais elle doit bien être remplie parce qu'elle a du mal à se fermer. Donc le 24, elle est rouge avec un sapin. Voilà, donc on va ouvrir. Alors. Un tampon. Un tampon Carabelle Studio.
Alors, c'est une entre parenthèses, j'adore. Super. Merci, Jen. Donc, on va mettre là pour une photo. Alors, après, le 24 de Scrap Didi. Alors, qu'est-ce que nous avons le 24? Nous avons... Alors, un embellissement carton bois, découpe livre en fleurs. Hop, comme ça. Voilà. Saga Postcrap. Aujourd'hui, c'est un casse-noisette avec un sapin sur la tête. Alors, qu'est-ce que nous avons aujourd'hui? Alors, un embellissement en bois. Alors, c'est une poche comme ça de pantalon avec des fleurs. Hop. Et ici, oh, j'ai mon nez qui me gratte. J'ai le nez tout rouge. Et ici, donc un dies. Donc c'est un dies fleur. En plus gros. Enfin, en gros, c'est une grosse fleur. J'ai hâte de faire les découpes pour voir. Comment ça donne? Ben voilà, l'ouverture du 24. Je vais faire une vidéo demain pour l'ouverture des cadeaux donc du 25. Du 25, donc il y a Scrap Didi, Sega Post Scrap. Scrap Didi, il y a le 26, mais je ne le ferai pas en vidéo parce que je pense que c'est comme dans les années précédentes, c'est un tirage au sort. Et donc j'ouvrirai mon 25 de Nicole, comme ceci. Le 25 de bébé. Et le 25 de Jen. Et aussi peut-être... Le 25 de... Mince, ça s'est collé entre... Le 25 de Maria, si elle m'autorise à l'ouvrir en vidéo. Voilà. Sur ce, je vous fais de gros bisous. Et on se retrouve à demain. Et passez surtout un bon réveillon entouré des gens que vous aimez. Gros bisous, à demain. Bisous, bisous.